se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce ne va pas être une vidéo sur les échantillons, mais c'est quelque chose que je vous ai déjà montré dans une vidéo et je vous avais dit que j'allais vous en reparler. Et bien c'est aujourd'hui que je vais vous en parler. Donc en fait, si vous vous rappelez, j'ai gagné un concours de l'urine de la marque Minty et j'avais dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Du coup ben, c'est cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur les produits, etc. Et je vais vous montrer les produits, je vais vous dire les prix, etc. Et si vous, vous avez déjà testé, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, quoi, si vous avez aimé, etc. Donc voilà, j'avais reçu dans un petit carton comme ceci, Minty, voilà. Il y avait plein de petits trucs en polystyrène que j'ai enlevé, sinon j'en ai mis partout. Après, j'ai eu un catalogue, je vais m'en servir du coup pour vous expliquer les produits. Après, j'ai reçu 3 flyers comme ceci, je vous avais déjà montré. Et j'avais reçu... la facture, en gros, net à payer, 0€, vu que je l'avais gagné en concours. Voilà. Du coup, bah, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est le Z Trauma. Et en fait, c'est un gel de première urgence. Donc, je l'ai testé vite fait parce que bah, je me coupe pas forcément ou je me fais pas... des coups de soleil ou quoi qu'est-ce, mais c'est un gel comestique fait synergie de plantes et minéraux et de composants actifs ayant des effets positifs sur la peau. Donc ça fait, c'est pour mettre sur les bleus, les bosses, les piqûres d'insectes, les douleurs musculaires, les raideurs, les réparations de la peau, les brûlures et je crois les coupures aussi, si je me trompe pas. Et du coup, je l'ai testé, ben, je me suis coupée un doigt, je sais plus, c'était ce petit doigt là. Et du coup, ben, je voulais le tester, donc c'est pas forcément un grand truc, mais de toute façon, je redirai des nouvelles sur ma page Facebook. Du coup, j'ai mis, ben, j'ai désinfecté, etc. Et j'ai mis ceci, et le lendemain, c'était cicatrisé en fait. Donc j'étais très contente. Mais bon, c'était le premier essai et du coup, je vais quand même attendre un peu. Enfin, je vais quand même revoir un plus après sur d'autres choses. Si j'ai des bleus, des bosses ou quoi, okay, surtout les piqûres d'insectes. Et voilà, ça fait aussi sur les... comment ? Les coups de soleil, très légers. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'ai un avis plutôt positif. Mais j'ai bien envie de le retester pour avoir vraiment un avis, pour vraiment me positionner correctement. Parce que là, c'était une petite coupure de rien du tout. Mais pour l'instant, c'est positif parce que le lendemain, j'étais déjà cicatrisée. Et le Z Trauma, il coûte 9,95€, 60 ml sur le site si vous voulez aller voir. Et du coup voilà, j'ai regardé le petit flyer, donc c'est pour les irritations buccales, doigts enflés, coups de soleil, éraflures, rougeurs, douleurs ligamentaires, entorses, stress, anxiété, piqûres d'insectes, mal de dos, peau irritée, fatigue musculaire, bleu bosse, coupures mineures, donc j'avais bien raison, et pieds enflés. Un choc créé, un traumatisme physique et mental, Z Trauma soulage les deux à la fois. Et c'est cosmétique bio, donc il y a une charte dessus, faut aller voir sur le site. Donc mode action, donc dedans il y a granula bio et silice naturel dynamisé. Sur le corps physique, ça cicatrise et restructure. Arnica pour les antibosses et anti-échymoses. Pamplemousse et alcool bio nettoyant. Plantain soulage les réactions cutanées. Propolis nettoyant antibactérien, reine des prés calmant. Et sur le corps émotionnel, les fleurs de bâche pour faire face émotionnellement au traumatisme afin de le dépasser. Donc mode d'emploi, voilà, vous avez juste à l'étaler sur la zone à traiter. Et renouveler l'application pour un meilleur résultat. Pour apaiser les chocs émotionnels et le stress, appliquez le gel derrière les oreilles ou sur les poignets, sans danger sur les muqueuses, sans risque en cas d'ingestion.
Voilà, 99,87% au total des ingrédients sont d'origine naturelle. Et 77% au total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà pour Z Trauma. Donc voilà, vous savez mon avis dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Faudrait que ouais, je regarde. Là, c'est tout ce que j'ai déjà dit. Donc je vais pas revenir là-dessus. J'arrête pas de me répéter, mais voilà. Ensuite, nous allons passer au Z Massage. Donc toujours de Minty. Hein, voilà. Et en fait, ça dit que ça soulage, ça régénère et ça hydrate, une huile de massage pro à portée de main. Donc déjà, je tiens à dire que ça sent hyper bon. Moi, enfin, pour moi, c'est la lavande. C'est pas écrit en fait. Bon, par contre, c'est assez gras. Hein. Faut bien se le dire, quoi. Si j'arrive à l'ouvrir un jour, peut-être. Ouais, pour moi, ça sent la lavande. Donc ça sent. Moi, j'adore le sentir, quoi. J'arrive pas à sortir le mot, mais bon, vous m'avez compris. Donc c'est un mélange d'huile décontractante, de fleurs de bâche, donc comme dans le Z Trauma en fait, d'huile essentielle calmante, d'un élixir de pierre et d'un mélange en cristal de malachite détoxifiant du pur bien-être. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais dedans il y a des pierres, enfin des pierres. Vous avez compris que c'est écrit des cristals, non, d'un élixir de pierre et d'un mélangeur de cristal. Donc voilà, vous avez bien compris. Voilà, si je fais ça, ils sont là, donc voilà. Et donc, celle-ci, je vais vous dire mon avis après, hein, je fais un peu dans le désordre. Donc, mode d'action sur le corps physique, huile de sésame antioxydante et permet de travailler le muscle. Huile de tournesol adoucissante et hydratante. Huile de soja, source de vitamine E, régénère la peau. Millepertuis, décontractant, calendula, reconstituant. Arnica agit sur les entorses, les ecchymoses et les douleurs musculaires. Huile essentielle de listée citronnée calmante. Huile essentielle de cèdre, soin de la peau. Et huile essentielle de lavande. Donc c'est ça que je sens. Il y a bien de la lavande apaisante. Donc l'élixir de malachite désintoxique le corps. Mélange en cristal de malachite pour redynamiser l'élixir de malachite. Le cuivre diffusé par la malachite soulage les crampes. Donc voilà, sur le corps émotionnel, fleur de bâche, olive, régénération de l'âme, de l'esprit après épuisement. Après, c'est un peu, voilà quoi. Je sais pas si je veux le dire quoi. Donc réconfort, neutralise l'effet de choc et réactive le processus d'auto-guérison. Après un traumatisme physique ou psychologique, climatique, prise de conscience de la réalité physique pour s'impliquer dans la guérison. Et crabe apple, nettoie et purifie. Donc mode d'emploi à utiliser sans modération en famille ou chez son kiné après une activité sportive très intense ou après une journée trop stressante. Après un fameux mouvement créant un torticolis ou juste un moment de bien-être, secouer la bouteille afin de mélanger les produits actifs. Le dépôt est naturel. Donc voilà, du coup j'ai pas besoin de lire le petit truc, mais voilà. Je vous ai décrit un peu et ben moi je l'ai testé parce que ben je vais vous raconter un peu ma vie, mais j'ai fait du bois et le lendemain j'avais des douleurs aux cuisses pas possible et j'ai mis ça, donc ça soulage pas instantanément, mais quelques temps après ben je sentais plus rien, donc je suis très contente et je la recommande. Et je vais vous dire le prix qui est de 15,90 € pour combien de millilitres? Combien? 100 millilitres, voilà. J'ai regardé sur le feuille, ça ira très mieux. Et du coup, voilà, 15,90 € qui sont très bons et qui marchent très bien, enfin sur moi en tout cas. Et c'est pour tous, y compris femmes enceintes. Donc voilà, ça c'est cool. Et voilà, du coup, vous savez mon avis sur celui-là que j'adore d'amour aussi. Et on va passer du coup à un autre. On va passer sur celui-là. Le dernier, c'est celui que j'aime le moins. Donc
Celui-là, c'est le Z Calm. Donc, en fait, comment vous dire? J'ai le petit prospectus ici. C'est un gel. Un gel calmant et régénérant. Donc, calme les démangeaisons, gomme les plaques de peau et hydrate. Donc, voilà. Mode d'action sur le corps physique, eau florale. Donc, eau florale de calendula apaise les rougeurs, régénère la peau. Chlorure de magnésium issu de sel de la mer morte gomme les plaques de peau et prévient leur formation en excès. Silice colloïdal. Franchement, ils ont des noms. Assouplir les couches superficielles de l'épiderme. Argent colloïdal calme l'épiderme souffrant de démangeaisons. Huile d'amande douce hydrate et nourrit la peau. Propolis nettoie la peau. HE de lavande apaisante, eau florale de lavande purifiante, elle nettoie et adoucit la peau. Sur le corps émotionnel, étoile Bethléem réconforte, neutralise l'effet des chocs. Gentiane instaure confiance et persévérance ou restaure la compréhension, l'amour, la tolérance. Pommier sauvage développe l'acceptation de soi, purifie le corps. Noyer stimule la constance, l'identité, rend moins influençable aux événements extérieurs. Donc voilà, vous savez tous les ingrédients qu'il y a dans ceci et à quoi que ça sert quoi. Conseil d'utilisation, appliquer en douceur une noisette de gel matin et soir sur la peau ou le cuir chevelu, sur les zones rouges irritées ou présentant des plaques de peau morte. Une sensation de brûlure momentanée peut être ressentie. Donc voilà, moi je l'applique sur mon visage. C'est vrai que comme j'ai des rougeurs, etc., ben, y a un petit moment où on va sentir des picotements, ça va en gros brûler quoi. Mais je pense que ça veut dire que ça fait effet. Je vois quand même un peu une différence, donc comme depuis que j'utilise celui-ci, donc je vais encore l'utiliser et ben, je verrai bien si ça aboutit à ce que je souhaite. Et du coup, celui-ci, donc c'est le Z Calm, il est à 20 euros pour combien de millilitres? À chaque fois, ils écrivent pas les millilitres, c'est quand même affreux. Ou alors, c'est juste que je suis bigleuse. Ouais, donc je sais pas combien de millilitres. Aucune idée, mais c'est quand même un grand flacon. Donc, il est à 20 euros sur le site. Et ben, je suis très contente de ce produit. Comme je vous dis, je vais le finir de toute façon. Et il y aura une vidéo sur les produits terminés un jour quand je l'aurai fini, où je vous dirai mon avis. Mais pour l'instant, je l'adore d'amour aussi celui-ci. Et on arrive. Dommage parce que c'est pas le meilleur pour la fin, mais bon. On arrive au spray gorge. Donc attendez, je vais le chercher dans mon petit cahier. Je sais, je suis mal organisée, mais tant pis. Donc pour celui-ci, je n'ai pas de petit prospectus, donc on va faire avec. Donc c'est comme ceci. Donc en fait, c'est un spray pour la gorge, hygiène de la gorge, apaisante et soulage rapidement, éclaircit la voix, vigilance, immunitaire. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Donc il existe en plus grand aussi, hein, un spray comme ceci. Donc si vous avez des maux de gorge, vous commencez que ça commence à arriver, vous êtes irrité, ou juste pour l'haleine, quoi, on va dire, mais ben, vous pouvez l'utiliser. En fait, c'est un complément alimentaire à vaporiser dans la gorge à base de propolis, d'irisium, de thym, de sapin, d'anabarbarié. Mais vous pouvez pas mettre des mots français, sérieux? Des plantes et des fleurs de bâche contribuent à la résistance de l'organisme grâce à la prêle, adoucit la gorge pour les orateurs et chanteurs qui sollicitent la voix. Ça peut être très bien pour vous et pour l'hygiène de la bouche, comme je vous le disais. Donc, 2 fois par jour, de pulvérisation par prise, et adultes et enfants à partir de 6 ans surtout, peut être dilué dans une cuillère à soupe avec de l'eau pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes ou allaitantes. Parce que il y a 48% d'alcool, et je peux vous dire que justement j'arrive là, ce que je n'ai pas apprécié, c'est quand j'ai fait pchit, et ben j'ai pas apprécié parce qu'on sent très très fort l'alcool. En fait, quand je l'ai testé, ben, j'avais un peu, enfin très peu mal à la gorge, mais voilà.
Du coup, bon, bah, je sais que le lendemain, j'avais plus rien. Donc, ça peut être bénéfique. Mais comme le Z Trauma, je l'ai essayé très peu. Du coup, à revoir. Mais déjà, j'aime pas trop le goût. On sent très, très, très fort l'alcool. Mais c'est un truc de dingue. Même ma mère l'a testé et elle a fait une grimace quand elle a essayé. C'était pas possible parce que tellement qu'il y a de l'alcool. Donc, comme je vous ai dit, 48% d'alcool. Et 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc 98% total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Je vous ai déjà tout dit. Voilà, juste le goût, c'est pas possible. Je verrai. De toute façon, ce sera retesté vraiment quand je pourrai. Mais déjà la première utilisation, j'ai pas apprécié, mais nous verrons bien. Sur ce, bah, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai un peu galéré, j'ai pas trop préparé mon truc. C'était une vidéo comme ça, j'avais trop envie de vous parler. Et du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère avoir beaucoup de commentaires et me dire ce que vous en pensez. Jennifer, si elle finit pas ses mots, ça ne va pas aller. Et du coup, bah, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!